Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Bloodborne pour voir comment trouver la frontière du cauchemar, qui est une zone optionnelle hyper difficile, la plus dure, je crois honnêtement. Et pour ça, il faut avoir vaincu Mikolash. Mikolash, c'est le mec qui court partout, c'est l'avant-dernier boss du jeu. Normalement, il vous a marqué parce que c'est le boss le plus chiant de tout Bloodborne. Et quand vous le battez, il y aura son corps ici. Vous interagissez avec et vous allez vous téléporter dans la zone où il y a Pâte l'araignée. Donc on va avancer pour skip l'écran de chargement. Au final, il était rapide l'écran de chargement. Et l'un des blocs, centre de conférence. C'est là qu'il y a le feu. Donc c'est le feu centre de conférence normalement. On ouvre la porte. Et là, il y a un seul chemin possible. C'est d'aller à gauche. Donc vous tuez tous les ennemis sur le chemin, on va avancer. Voilà, vous progressez dans le couloir. C'est un couloir, hein. Il y a une seule direction possible, hein. Vous prenez pas la tête. On va avancer un petit peu. Et en fait, regardez, quand vous arrivez là, donc là on avance dans le couloir. Il y a deux chemins possibles. Il y a la grande porte principale qu'il y a là, qui vous téléporte dans une zone. Et si vous longez la droite, il y a un petit escalier qui vous mène à Pâte l'araignée. On va y aller. Donc là, vous verrez qu'il y a un grand gaillard. On va l'éviter. Parce que le mec, c'est l'Iron Fist, d'accord? Voilà, vous pouvez lui mettre deux coups avant de réaliser qu'il est imbattable. Et ici, il y a l'échelle. Et Pat, il est juste là, regardez. Et juste après l'avoir tué, vous ouvrez la porte qu'il gardait, et la zone va être un petit peu plus loin. Alors vous pouvez explorer, hein, je vous invite à explorer bien évidemment. Mais la porte pour traverser la zone, elle est au fond. D'accord? Elle est là, vous la voyez? Ah bah non, vous la voyez pas, je bloque. C'est celle-là là. Au fond du couloir. Tout simplement. Hop. On va avancer parce que moi j'ai exploré. Et je suis allé ouvrir la porte au bout du couloir. Là, petit écran de chargement qui dure des plombes, je suppose. Et voilà, on arrive à Frontière des Cauchemars. Donc la zone est infernale, hein, donc sauvegardez bien. Pour l'instant, j'ai pas réussi, la zone est trop dure. mais voilà, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee, ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!